Alors, salut, salut à toi aujourd'hui qui vois cette vidéo. On va parler de la loterie américaine. Pas comme d'habitude où on annonce juste la loterie américaine ou alors qu'on donne les détails sur les qualifications. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire savoir que, au nom de la Fondation Héritage, nous allons désormais jouer à la loterie américaine gratuitement pour tous nos membres. Alors, si tu es membre de la Fondation Héritage des Petits Voyageurs, je t'invite à nous retrouver ou alors à cliquer carrément sur le lien qui sera mis dans la description de cette vidéo. Ou si tu vois cette vidéo sur Facebook, en commentaire ou bien sur WhatsApp, demande à avoir le lien le lien pour t'enregistrer et nous transmettre tes informations afin qu'on puisse jouer pour toi gratuitement. Une seule chose, une seule règle, c'est d'être membre avec la Fondation Héritage des Petits Voyageurs. Vous savez, ici aux États-Unis, le 9-11, c'est aujourd'hui que j'ai fait cette vidéo, aujourd'hui le 11 septembre. En anglais, on dit 9-11, 911, c'est le numéro qu'on compose pour appeler la police. Et c'est un jour, ça fait presque 12 ans, le 11 septembre 2001, les États-Unis ont connu un attentat où ils ont décidé de rendre les vérifications ou alors l'immigration ou bien toutes les procédures légales encore plus solides. Et ça a aussi affecté le fait pour nous, Africains ou bien étrangers des États-Unis, à voyager, à arriver ici. Et donc, la loterie américaine a été instaurée. Et du coup, ça demande les qualifications, le bac ou alors les professions. Certaines professions spéciales pour qualifier à jouer cette loterie. 55 000 personnes uniquement, ce n'est pas beaucoup. Surtout que nous sommes très nombreux qui voulons voyager, mais qui n'avons pas l'opportunité, qui ne connaissons personne aux États-Unis, personne pour nous accompagner, même simplement pour nous conseiller, nous guider et nous dire quoi faire, quoi éviter. Nous sommes aujourd'hui une fondation, nous sommes aujourd'hui un groupe de personnes, d'hommes et de femmes qui sont déjà passés par là, qui ont déjà fait ce que tu veux faire aujourd'hui, qui sont ici aux États-Unis, au Canada, et même qui sont arrivés, qui sont déjà rentrés en retraite dans leur pays en Afrique. Alors, on a dit, on se met ensemble pour t'aider toi aussi, si tu veux bien. Oui, la loterie américaine, ce n'est plus un mythe, c'est un jeu où certaines personnes qualifiées participent et gagnent, et ça change la vie de plusieurs parmi nous, de plusieurs familles. Que ce soit l'éducation, le travail, les formations, même simplement la découverte. OK? Donc, du coup, tu es la bienvenue à nous rejoindre afin qu'on puisse jouer à la loterie américaine pour toi. Ça peut être ton tour. Tu peux être l'une de ces 55 000 personnes qui vont gagner à cette loterie américaine. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un an d'existence dans notre groupe WhatsApp et quelques mois d'existence au nom de la Fondation Héritage Petit Voyageur. Nous avons des retours assez positifs. Nous avons au moins, je reste humble comme d'habitude, au moins c'est une personne qui a joué à la loterie américaine parce qu'on s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, on a dit joue à la loterie américaine et on espère que tu seras cette prochaine personne ou alors comme ça commence en octobre, ça finit en novembre, que tu seras cette personne qui sera qualifiée et qu'on va dire welcome to the United States of America. Moi, je suis Sergio, je suis un petit voyageur et je suis l'un des fondateurs de cette fondation. Nous ne parlons plus simplement des petits voyageurs, nous parlons aussi d'une fondation. Nous parlons de comment se mettre ensemble et pouvoir aider le maximum de frères possible afin d'immigrer vers les États-Unis, vers le Canada, vers l'extérieur de l'Afrique et saisir ces opportunités de business, de formation professionnelle, de découverte, de visite. Pourquoi pas le faire légalement? On investit des millions, on investit beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices pour passer par le désert, l'océan ou bien la forêt. Moins que ce que nous dépensons par là, nous pouvons investir le même énergie ou bien moins même encore et avoir un résultat encore plus que positif. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça qu'on a décidé au nom de la Fondation de t'aider. Et aujourd'hui, on parle de la Divi Loterie, la loterie américaine, afin que tu puisses avoir soit la green card ou le permis de travail et visiter
découvrir, travailler ou fréquenter aux États-Unis. Rejoins-nous sur le numéro +1 443 619 85 83 et on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Envoie-toi un texte, héritage, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Sinon, récupère le lien et donne tes informations pour qu'on puisse jouer à la loterie américaine avec toi. Mais pour les photos et les vidéos, écoute, nous avons besoin que tu nous envoies cela par email ou alors par WhatsApp comme document, pas comme photo, comme document. Sinon, par email en PDF, en fichier PDF. Vous connaissez les règles pour les photos. L'arrière tout blanc, on veut voir les oreilles. Donc, du coup, renseignez-vous et envoyez-nous uniquement les photos passeport. Ok? Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, like cette vidéo et partage au maximum. Like, partage avec les amis, avec la famille, dans les différents groupes WhatsApp, les différents groupes de réunions autour de vous. La loterie américaine est vraie, ce n'est plus un mythe. Toi aussi, tu peux voyager pour les États-Unis. Toi aussi, tu peux aller au Canada. Toi aussi, tu peux être la première personne dans ta famille qui va leur donner d'avoir un autre style de vie et saisir les opportunités afin de vous développer. Sergio, merci pour avoir écouté. Jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao.